Le club, c'est peut-être l'événement le plus important de l'année. Et on compte sur vous. C'est-à-dire que chacun doit être là à prendre ses responsabilités aujourd'hui. Salut Joachim. Salut Ami. Si c'est Paris. Fallait pas faire ça. Et j'aurais pu lui dire stop par toi-même. Voilà. Ah, je suis le champion. J'ai pas le seum. C'est le seum qui est prend elle. Salut. Salut. Ça, Nico. On a tous votre kimono. Il y aura ceux qui veulent faire un peu de judo, ils feront judo. Ceux qui veulent faire un peu plus vitesse, on fera vitesse. Ceux qui veulent mixer les deux, il y aura possibilité de mixer les deux. La navette revient à 15h45, donc on a du temps sur place, d'accord. Donc on n'est pas pressé, on n'est pas obligé de se mettre en route tout de suite. Et on est à 10 minutes de la compète. Et de l'hôtel? Je viens de vous mettre du coup les tableaux des filles et des garçons sur le groupe WhatsApp. Les garçons, il y a un tour préliminaire, donc on démarre en 8e. Et on prend au premier tour l'équipe tchétchène, c'est Akhmat. D'accord, donc ça va démarrer très fort et très vite pour les garçons. Donc début des combats à 10h. Et pour les filles, ça va démarrer un tout petit peu plus tard. Donc il y a 4 équipes. Démarrage en demi-finale et on prend l'équipe tchèque du coup en demi-finale. Pour le club, c'est peut-être l'événement le plus important de l'année, là aujourd'hui. Vous le savez, on vous l'a rabâché. Aujourd'hui, on est sur l'Europa League. C'est bien, il fallait y être. L'objectif, c'est que l'année prochaine, on monte en Champions League. Et pour nous, c'est super important. Vraiment super important. Et on compte sur vous. C'est-à-dire que chacun doit être prêt à prendre ses responsabilités aujourd'hui. Aujourd'hui, Lucas, c'est le capitaine là, de l'équipe aujourd'hui. D'accord ? Tu veux t'imposer comme un des patrons de la KT ? Ça démarre aujourd'hui. C'est pas de faire râper.
va chercher à taper, à venir un peu la main dans le dos, à venir coller, boum. Ouais. Des décalages, toujours en décalage. Tu vois, à mon avis, il va essayer de faire péter. S'il n'arrive pas à faire péter, il va essayer de venir comme ça ou comme ça. Donc là, c'est là où ta main droite, il faut venir faire ça. Tu vois, tout de suite du décalage. Ça va venir chercher à être un peu en droite là, des fois venir croiser sur cette manche là pour se rapprocher. Cette main elle est au revers, pas de problème, tu te laisses pas croiser, boum, ça chasse, ça vient monter haut en croisé et ça pèse pas avec ce coup. Mets de l'impact. Allez. J'ai compté 158,5 fois plus fort que lui et plus bœuf, d'accord? Allez mon gars, on enfonce le clou les gars, on avance tranquillement. Keep distance. Oui, très bien, reste là. Hey. Très très bien Lucas, très très bien papa. Yeah, yeah, bon. Yeah. Ce qui m'a plu c'est qu'ils n'ont rien lâché quoi. Qu'ils ont rien lâché, du début jusqu'à la fin. Il y a des combats qui sont allés au Golden qui étaient vraiment chauds. Et c'est à chaque fois ça tournait en notre faveur, donc l'état d'esprit est vraiment nickel, vraiment parfait. Ok. Bien. Allez Faiza. Redescends un peu. Redescends. Allez, sonnez. Yeah. Les waza. Allez, Mariem. Si tu fais le taf à travailler demain, récupère cette manche, c'est pour pas que ça aille croiser. Et si ça veut croiser, faire l'effort, boum, tout de suite de venir pousser la manche, boum, pour se réinstaller. Pas accepter ça. Eh, fais-lui la guerre. Depuis le début de la journée, c'est des rencontres qui sont compliquées, hein, qui jouent à pas grand-chose. Jusqu'à maintenant, les mecs, ils font le taf, ils le font vraiment bien. Là, c'est pareil, c'est un gros tour. Un peu le même profil que la première équipe qu'on a pris, encore une équipe russe, qui est renforcée aussi avec un Nazer qui est champion d'Europe, du très très lourd. Donc après je suis pas plus inquiet que ça, hein. Ils vont faire le taf comme ils l'ont fait depuis le début. En plus les deux étrangers qu'on a récupérés pour le coup ils sont présents vraiment avec le groupe et ils sont présents sur le tapis donc c'est une bonne chose. Il faut 3 points. Redescendez en pression, on a un peu de temps là quand même. 16h ça démarre et nous on fait la 4e rencontre. Échauffe-toi, vas-y.
C'est ce que tu vas lui mettre pour monter demain, tu vois. Voilà, c'est ça qu'on veut, Faiza. Voilà, il arrive à prendre la tête. Dis rien, focus sur la finale. Focus sur la finale. Pousse tes mains. Allez, les voisins, les voisins, la garde au sol. Pèse sur manche. Un match, c'est celui-là qui était important. Vous êtes des putains de combattants, des putains de bonhommes. Vous êtes beau, vous êtes fort. Je vous aime. Ils sont beaux ces moments. Merci. Good, Frank, good. Félicitations les filles du coup. Félicitations. Good job. Paris Saint-Germain numéro uno. La même compétition pour les filles et les garçons, néanmoins c'était pas le même niveau. Voilà, néanmoins il fallait répondre présent. C'est vrai que ce qui se dégage du groupe, aussi bien des filles et des garçons, c'est la cohésion. Et on voit l'esprit, l'état d'esprit. On voit l'esprit d'équipe qui est en train de, au fur et à mesure, de se construire. Et ça, c'est ce qui nous fait plaisir, parce qu'on a des grandes ambitions au club. C'est bien pour le club de bien terminer l'année sur une victoire. C'était important, ça fait plaisir de terminer 2021, surtout avec les temps difficiles qu'on a vécu. Une compétition par équipe, c'est une compétition particulière. Moi, j'adore ça. Ça me transcende. On est tous ensemble. Il faut être fort individuellement, il faut être fort en équipe. C'est pour ça que c'est une compétition que j'apprécie particulièrement. En plus, là, on a deux équipes de niveau, que ce soit les filles comme chez les garçons. On est vraiment super contents et contentes parce qu'on a montré que le PSG était un club fort et on va le montrer en Europe et l'année prochaine encore.